de l'État, très certainement, mais surtout de milliers ou de millions de petites décisions individuelles. Et ce qui, en Europe, avait pris des siècles à se former, on le voyait au Brésil se réaliser en quelques mois, en quelques semaines, parfois en quelques jours. On dédaignait alors São Paulo comme une ville laide. Sans doute, les immeubles du centre étaient pompeux et démodés. Et pourtant, São Paulo ne m'a jamais paru laide. C'était une ville sauvage, comme le sont toutes les villes américaines. Des pâturages à vaches s'étendent au pied d'immeubles en béton. Un quartier surgit comme un mirage. Des avenues bordées de luxueuses résidences s'interrompent de part et d'autre de ravins. Leurs masses hétéroclites s'affrontent en un désordre figé. À l'abri de cette faune pierreuse, l'élite pauliste, pareille à ses orchidées favorites, formait une flore nonchalante et plus exotique qu'elle ne croyait. Há uma lição sobre o Brasil ali, uma coisa que é dolorosa pra gente, mas que é verdadeira. Mas há também uma deformação da visão, há coisas que ele não poderia captar por estar longe, por ser um professor francês com uma formação muito sólida, num país muito, como dizia Tom Jobim, muito difícil de ler. Tom Jobim dizia, o Brasil não é para principiantes. Então tem algo de grande sabedoria sobre o Brasil e tem algo que mereceria essa crítica do Tom Jobim. Du côté brésilien, nous étions bien sûr accueillis et patronnés par Julio de Mesquita Filho, qui était le directeur de l'Estado de São Paulo et qui sortait d'une histoire politique très mouvementée, puisqu'il avait été un des leaders de la révolution constitutionnaliste de 1932. Et qu'il avait même été exilé au Portugal. Et nous étions un peu le produit de cette aventure, puisque le São Paulo, ayant été vaincu par le pouvoir central, a voulu reprendre du prestige sur le plan culturel. Et la création de l'université de São Paulo, me semble-t-il, en a été le résultat. Dans ce Brésil qui avait connu quelques éclatantes réussites individuelles, mais rares, Euclides da Cunha, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Villa-Lobos, la culture était restée, jusqu'à une époque récente, un jouet pour les riches. Et c'est parce que cette oligarchie avait besoin d'une opinion publique d'inspiration civile et laïque pour faire pièce à l'influence traditionnelle de l'Église et de l'armée, ainsi qu'au pouvoir personnel, qu'en créant l'Université de São Paulo, elle entreprit d'ouvrir la culture à une plus large clientèle. La création de l'Université de São Paulo se deu quando un groupe da élite ligado à aristocracia cafeeira pensou em transformar o Estado de São Paulo e, portanto, a sociedade e o poder do Estado num poder onde se pudesse preparar as elites para o exercício da presidência da província de São Paulo. Né? Aí pensou-se criar a Universidade de São Paulo, que formaria, digamos, os futuros dirigentes não só de São Paulo, como da nação brasileira. Então foi exatamente em 1934 que essa elite, formada por Júlio de Mesquita Filho, Fernando de Azevedo e Armando Salles de Oliveira, resolveram fundar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras no dia 25 de janeiro de 1934. A ideia de universidade aqui em São Paulo veio amadurecendo lentamente. E já havia no Brasil uma ou duas instituições que se chamavam universidade. Mas era apenas um nome que foi superposto a faculdades profissionais já existentes. Enquanto que a Universidade de São Paulo foi concebida de maneira diferente. Não apenas englobar as faculdades já existentes,
mas criar uma faculdade nova. Quand j'arrivais au Brésil pour participer à cette fondation, je considérais la condition humiliée de mes collègues locaux avec une pitié un peu hautaine. Je ne me doutais pas que 20 ans plus tard, mes élèves besogneux d'alors occuperaient des chaires d'université, parfois plus nombreuses et mieux équipées que les nôtres, servies par des bibliothèques comme nous aimerions en posséder. L'importance des Français fut fondamentale. Eu fui aluno, meus professores foram todos franceses. No meu tempo, eu só tive aulas em francês e italiano. Naquele tempo, o francês se estudava em 4 anos de ginásio, às vezes 5. E a bibliografia era toda francesa. Então, a gente entendia, mais ou menos. Le groupe dont je faisais partie était le deuxième parti au Brésil. C'était en 1935. Et nous formions une petite équipe qui comprenait un philosophe, Jean Mauguet, un géographe, Pierre Monbègue. Brodel est arrivé quelques jours ou quelques semaines plus tard. Mes liens les plus intimes ont certainement été, pendant toute cette époque, avec Pierre Monbègue, qui est resté un ami très cher. Nos étudiants voulaient tout savoir. Dans quelques domaines que ce fût, seule la théorie la plus récente leur semblait mériter d'être retenue. L'université leur apparaissait comme un fruit tentant, mais empoisonné. À ces jeunes gens, nous étions amenés comme des mages exotiques, par des fils de famille exécrés, parce qu'ils représentaient la classe dominante. Eu conheci muito antigos alunos do professor Lévi-Strauss. Sempre houve uma grande unanimidade de respeito e entusiasmo por ele. Era um professor que não procurava brilhar, era um professor nada retórico, severo, e que procurava levar os alunos muito aos problemas concretos da sociologia. Je dois dire que, enfin, je suis très heureux d'avoir pu mener simultanément une carrière de recherche et une carrière d'enseignement, parce que l'enseignement m'a apporté une aide considérable en m'obligeant, si je puis dire, à jeter un pont entre ma propre pensée et celle de ceux qui voulaient bien m'écouter. Et l'enseignement a été en quelque sorte pour moi un principe régulateur. Que tous ceux d'entre vous qui jetteront les yeux sur ces lignes, charmants élèves, aujourd'hui collègues estimés, n'en ressentent pas de rancune. En pensant à vous, selon votre usage, par vos prénoms si baroques pour une oreille européenne, mais dont la diversité exprime le privilège qui fut encore celui de vos pères, de pouvoir librement, de toutes les fleurs d'une humanité millénaire, cueillir les frais bouquets de la vôtre. Anita, Corinne, Zenaïde, Cécile, et vous, Egon, Mario, Wagner, Nicanor, Rui, Livio, Décio, Euclides, c'est sans ironie que j'évoque cette période balbutiante. C'était la découverte de l'intense curiosité intellectuelle qui régnait alors et dont nous étions en quelque sorte le résultat, puisque on avait voulu faire venir à São Paulo des Allemands, des Italiens, des Français pour apporter à la jeune société brésilienne, qui était alors en pleine ascension, un écho de ce qui se faisait en Europe. Mais ils en savaient beaucoup plus que nous ne pensions. Et probablement, ce que nous avons pu leur apporter, ce ne sont pas des connaissances nouvelles, ils avaient tout lu. C'était une discipline, une méthode de pensée qui peut-être leur manquait un peu.
Pensant à ce qu'était alors l'Europe et ce qu'elle est aujourd'hui, j'ai appris, en vous voyant franchir en peu d'années un écart intellectuel qu'on aurait pu croire de l'ordre de plusieurs décades, comment disparaissent et comment naissent les sociétés. Et que ces grands bouleversements de l'histoire qui semblent dans les livres résulter du jeu des forces anonymes agissant au cœur des ténèbres peuvent aussi, en un clair instant, s'accomplir par la résolution virile d'une poignée d'enfants bien doués. Apesar de tudo, pode ser que num claro instante dali, não é, surja uma força revolucionária, não é, libertadora, uma coisa assim, de entre aqueles estudantes ingênuos, desavisados, possa justamente num claro instante nascer uma visão revolucionária. Virá impávido que nem Mohamed Ali, virá que eu vi o achado afoxé, filhos de Gandhi, virá que eu vi incrível e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi apaixonadamente como Peri, virá. O cultural de São Paulo hoje é extraordinário. É, de fato, uma grande cidade cosmopolita. Neste processo, a Universidade de São Paulo ajudou muito. Trouxe para a cultura brasileira um novo espírito. Ela operou uma revolução cultural, ela contribuiu para que isso se espalhasse por todo o Brasil. Essa ideia dos fundadores da universidade foi uma ideia extraordinária. Eles tiveram premonição, o sentimento de que uma cidade com esse futuro tinha que ter um equipamento cultural à altura. E isso a Universidade de São Paulo forneceu. Ce n'est donc pas de façon métaphorique qu'on a le droit de comparer une ville à une symphonie ou à un poème. Ce sont des objets de même nature. Plus précieuse peut-être encore, la ville se situe au confluent de la nature et de l'artifice. Elle est à la fois objet de nature et sujet de culture, individu et groupe, vécu et rêvé, la chose humaine par excellence. Dans les environs de São Paulo, on pouvait enfin observer et recueillir un rustique folklore. Fête de mai, où les villages s'ornaient de vertes palmes. Lutte commémorative, fidèle à la tradition portugaise, entre Mouros et Cristãos. Procession de Nao Catarinete, navire de carton gréé de voiles en papier. Pèlerinage à de lointaines paroisses protectrices des lépreux ou, dans les effluves crapuleux de la Pingue, des bars de métis, bottés, costumés d'oripeaux et prodigieusement ivres, se provoquaient au son du tambour à des duels de chansons satiriques. Le sociologue peut apporter son aide à cette élaboration d'un humanisme global et concret. Car les grandes manifestations de la vie sociale